Refaire sa vie à partir de rien n'est pas donné à tout le monde. Et pour ma part, ça a été un hasard. Wow. Putain, j'ai bien failli me noyer. Merde, qui je suis et où je suis, bordel de cul. Bizarre, je me rappelle absolument rien. Je devrais demander à quelqu'un. Hey, toi, tu sais où je me trouve et qui je suis? Putain, qu'est-ce que tu fous en 15 soins à la plage et devant ma... 15 toi, ça te Ouh, j'aime pas sa façon de parler. Je crois que je devrais lui apprendre le respect à ce petit con. Une petite leçon, ça lui fera pas de mal. Tu veux connaître la puissance de mon poing? Hein, sacripant? Les yeux m'en sortent de la tête tellement que tu m'énerves, fils de pute! Bon, à ce que je vois pour se faire respecter ici, il va falloir que de 1, je mette à branler à ceux qui me cassent les couilles. Et toi, ta chemise est moche, connard. Tiens, tiens, prends ça. Ouais, c'est ça, casse-toi, salope. Et toi, ta cascade moche. Tiens, prends ça, crève, salope. Hey, montre-moi si tes muscles servent à quelque chose. Tiens. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Tiens, ouais, je suis un tas de merde, c'est ça, tiens. Vas-y, vas-y, attends, attends, attends. Esquive, gauche, droite. Petite merde, tiens. Le problème, c'était les flics. Pour que je me procure son flingue, ça va me servir. Réflexe. Putain, enfoiré, t'es balèze, hein. Tiens, prends ça, il sort. Alors, toujours si balèze, vas-y, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et, tiens. T'es trop nul, tiens. Hein, sale nègre, prends ça. Bien, son KM50 va me servir. Cette ville sera sous ma loi maintenant. De deux, me faire de l'argent par n'importe quel moyen. À ce que je vois, c'est assez important ici. Tiens, tiens, cette épicerie fera l'affaire pour l'instant. Je vais y jeter un petit coup d'œil pour voir si ça en vaut le coup. Dites, c'est cosy ici. Vous, vous gagnez beaucoup d'argent? Oh, et puis rien à foutre. Oh, oh shit! Take it easy, I'm doing it! Allez, donne-moi tout ton fric, fils de petite bite. À moins que tu veux que je casse tout, n'est-ce pas? Please, no shouting! I can't go any faster! Please! Ta gueule, face de paix, connard! Ah, si vous saviez le plaisir que j'ai pris à tirer partout. Que ça soit sur ces bouteilles d'alcool. Même si c'est du gaspillage. Tant pis. Ou ces cigarettes qui volaient dans tous les sens. C'était tellement bon de pouvoir tirer sans coup. Ah oui. Et s'il pensait pouvoir s'enfuir comme ça, comme si de rien n'était. C'était marrant. Adieu, bordel de cul. Les flics se ramènent. Il faut que je me casse d'ici. First Blood, Monty Girl. Putain, ils sont nombreux. Et merde, pas le choix. Je plonge. Je les ai bien semés. Mais c'était pas terminé. De trois, me bourrer la gueule. Ouais. Et aller aux putes. Cette partie-là me plaisait beaucoup. Ouais. De la viande.
Un cordé. Je vais pas. C'est joli par ici. Oh. Allez, on s'y dirige. Hey, beau gosse, c'est quoi ton petit nom? T'as l'air mal en point. Hey, coquine, tu veux voir Mini Roger? C'est le sosie de la Tour Eiffel et il est dans mon caleçon. Mais ça comme prénom. Regardez ça, tiens. Regarde, elle est toute en mode direct. Bordel, t'as vu ça? Oh, bordel à queue. Touche pas à ça, moi. Ça va, de ma côté, je fais pas ta pute. Ouais, bah, je me casse, moi, connard. Attends, comment je fais pour me vider les poches? Oh. Du coup, j'ai vagabondé dans la rue. J'ai boué la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai boué la route à 3 grammes pour... Ah, il fait jour les coups. Viens, c'est lui, il s'en va. J'étais complètement... taré. Pourquoi tu... Pourquoi il fait ça? Complètement taré, connard. Après avoir dessoulé, je me suis mis à l'objectif 4. Se refaire une beauté. Que ce soit pour les cheveux, barbe, poils, etc. Je dois être intact. Car on peut être un hors-la-loi. Mais ça n'empêche pas d'avoir du style. Oh yeah! La classe, Roger! Tu pètes stylo, ouais! Oh, mais merde, j'ai oublié de m'habiller! C'est chiant de porter un pantalon, ça m'énerve! Bordel de cul! Et donc, du coup, l'objectif 5, m'habiller, car c'est vrai que c'est un petit peu important quand même! Bon, Roger, va falloir s'y mettre! Un pantalon et tout ce que tu veux, mais faut sortir couvert. Est-ce que Roger trouvera un pantalon? Vous le saurez dans le prochain épisode de La vie de Roger.